Someday soon you'll be listening to Harvest Moon, making faces at somebody like we used to do. There I'll be, dead dreams and drum machines. Look up and suddenly, the ghost of a man through me. I've got the memory running through my head, forgetting I was slipping through your fingers too. When you read my letter, I wonder what you started saying. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Tout d'abord, un grand merci parce que vous avez été nombreux et nombreuses à avoir regardé ma dernière vidéo sur le nouvel an berbère, le nouvel an amazir, Yener. Et surtout, j'ai reçu énormément de commentaires qui m'ont fait un grand plaisir. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble de nombreuses recettes que vous pouvez préparer pour faire plaisir à votre famille ou tout simplement pour vous faire plaisir. Donc là, on va utiliser la friteuse à air de la marque Ultunique, mon partenaire actuel. Bien sûr, toutes les recettes que je vais vous présenter, vous pouvez très bien les faire au four, tout simplement dans de l'huile de tournesol. Quelques mots avant de passer aux recettes. Alors, c'est une machine connectée que vous pouvez contrôler à partir de votre portable. Vous pouvez faire cuire toutes sortes de plats et même de délicieux desserts. Avec cette friteuse, on a moins d'odeur, moins de nettoyage. Et en plus, elle vous propose quelques options supplémentaires que j'adore. C'est que vous pouvez programmer vos plats et vous pouvez faire également le maintien au chaud pour avoir vos plats encore chauds. Commence la préparation des tenders sans huile et surtout bien croustillants. Il vous faut 300 à 400 g d'escalope de poulet ou de dinde, une cuillère à café d'ail, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, du sel, un petit peu de poivre, un œuf. On mélange tous les ingrédients ensemble. Il faut laisser mariner votre viande quelques heures. Vous allez plonger les petits morceaux d'escalope dans des œufs. Donc là, j'ai deux œufs fouettés avec un petit peu de sel. Plonge ensuite les morceaux dans du panko que vous pouvez très bien remplacer par de la chapelure. L'application propose un programme adapté à chaque type de plat. Bien sûr, si vous n'avez pas la machine, vous pouvez très bien les faire cuire dans de l'huile de tournesol, sinon à 190 degrés au four. Pour celles et ceux qui préfèrent la viande rouge au poulet, je vous propose de délicieuses boulettes de viande bien assaisonnées et surtout bien juteuses grâce à la machine sans huile. Il vous faut 300 g de viande hachée, une cuillère à soupe de coriandre, une échalote coupée en petits morceaux, deux gousses d'ail, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, un petit peu de poivre, du sel, de l'huile d'olive. Il ne vous reste plus qu'à laisser mariner votre viande quelques heures, sinon vous pouvez très bien la congeler si vous voulez la préparer plus tard. Choisissez l'option viande, bien sûr vous pouvez très bien adapter la température, c'est selon l'épaisseur de votre viande. Maintenant, je vous propose de délicieux cordon bleu simple et rapide, et surtout cette recette va vous éviter d'acheter des cordons bleus industriels. Je commence par écraser les escalopes entre deux feuilles alimentaires. Sinon, vous pouvez très bien prendre du film alimentaire. C'est pour diminuer l'épaisseur pour que la cuisson soit plus facile. Un petit peu de sel, poivre, une tranche de blanc de dinde ou de poulet, un petit peu de fromage. On replie l'escalope. On enlève l'excédent. On va essayer de refermer l'escalope. Si vous voulez, vous pouvez remettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Dans un saladier, il faut travailler 3 œufs avec un petit peu de sel, du poivre, une petite cuillère à café de persil séché ou de coriandre. Vous allez plonger le cordon bleu dans de la farine. Vous allez en mettre un petit peu partout, comme ça, dans les œufs fouettés, dans de la chapelure.
Je fais cuire mes cordons bleus pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Bien sûr, vous pouvez très bien adapter la cuisson selon l'épaisseur de vos cordons bleus. Si vous aimez le KFC, je vous propose cette délicieuse recette bien gourmande, par contre sans matière grasse. Il vous faut 500 g d'ail coupé en deux, un yaourt grec, du poivre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, du sel, une petite cuillère à café de persil séché. On mélange tous les ingrédients ensemble. Il ne vous reste plus qu'à laisser mariner votre viande quelques heures, sinon vous pouvez très bien les faire cuire directement si vous êtes pressé. Dans un saladier, il faut verser 100 g de farine, une cuillère à café de paprika, un petit peu de poivre, du sel, une cuillère à café de levure chimique, une petite cuillère à café de persil séché. On mélange tous les ingrédients ensemble. On va plonger nos morceaux de poulet dans ce mélange à base de farine. On les plonge dans un saladier d'eau et à nouveau dans de la farine. Si vous les aimez bien gras, vous pouvez les faire cuire dans de l'huile de tournesol. Par contre, il faut qu'elle soit bien chaude, très important, pendant 15 minutes. Et si vous voulez éviter un maximum de gras, ou tout simplement si vous faites attention à votre alimentation, que vous voulez bien manger, je vous conseille de les mettre dans la friteuse à air à 200 degrés pendant environ 15 minutes. C'est selon l'épaisseur de votre viande. Pour apporter plus de goût, je vous propose de préparer une bonne sauce piquante qui est très facile et surtout que vous allez adorer. Dans un bol, il faut verser deux piments. Donc là, j'ai choisi un rouge et un vert. C'est pour apporter un maximum de couleur. Une échalote ou un oignon coupé en petits morceaux. Une bonne cuillère à soupe de coriandre. Environ 7 cl d'huile d'olive. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre plus. Une à deux gousses d'ail haché. Du sel. Une petite cuillère à café de poivre. Le jus d'un citron. On mélange et on laisse la sauce piquante quelques heures au frigo. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit film alimentaire. Je vous propose la recette des petits pains que j'ai publiée sur mon compte Instagram. Donc vous étiez nombreuses à m'avoir demandé la recette. La voici. Ils sont bien moelleux, bien gonflés et vous pouvez les préparer pour faire de bons sandwichs. Dans un bol, il faut verser 8 g de levure boulangère sèche, 10 cl de lait tiède, 5 cl d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre. On mélange et on laisse diluer pendant 10 minutes. Dans un saladier, il faut verser 285 g de farine, du sel, soit environ 6 g, un œuf. Notre premier mélange, lait, eau plus levure. Maintenant, il faut pétrir la pâte pendant au moins 10 minutes. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser votre robot. Et si votre pâte colle beaucoup, je vous invite à mettre un petit peu de farine, pas trop non plus, pour éviter d'avoir des pains trop secs. Je vais incorporer 40 g de beurre mou à ma pâte. Donc là aussi, il faut bien la travailler quelques minutes. Très important. Il faut obtenir une pâte qui colle un peu, mais pas trop non plus. Une pâte molle, voilà. Il faut laisser lever la pâte minimum 45 minutes. Il faut dégazer la pâte sur un plan de travail. Je divise ma pâte en 6 parts égales. Il faut les étaler sur un plan de travail légèrement fariné. Donc on va utiliser un rouleau. Il faut obtenir une forme ovale. Je vais enrouler ma pâte. On referme les extrémités en appuyant dessus. Vous allez aussi appuyer sur la partie supérieure pour que ça soit facile. Je vous invite à ne pas mettre beaucoup de farine, sinon vous allez avoir du mal à refermer votre pâte. Enroulez votre pâte sur le plan de travail pour avoir une belle forme. Laissez reposer la pâte dans un endroit chaud, minimum 45 minutes. On va déjeuner dessus avec un jaune d'œuf mélangé à une petite cuillère à café de lait. Vous les découvrez avec des grains de nigelle, des grains de sésame. Et les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 15 minutes, bien sûr, c'est selon votre four. À la sortie du four, n'oubliez pas de les couvrir à l'aide d'un torchon pour garder la vapeur à l'intérieur et surtout pour obtenir de bons petits pains bien moelleux.
Il ne vous reste plus qu'à les ouvrir et mettre la garniture que vous aimez ou tout simplement les préparer pour un bon brunch. Pour le goûter de mes enfants, je vais leur préparer une recette que j'ai trouvée dans le livre de cuisine qui est fourni avec la machine. Donc c'est des muffins bien moelleux au jus d'orange. Dans un saladier, on va travailler 65 g de sucre avec un œuf. Vous pouvez très bien les préparer à l'aide d'un robot. Start 54 g d'huile de tournesol, une cuillère à café de zeste de citron, 80 g de jus d'orange, 130 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate. Il faut verser la pâte dans des petites caissettes et les mettre dans la friteuse préchauffée à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Pour le dessert, je vous propose de délicieuses verrines caramel fruits secs. C'est vraiment très très bon et surtout c'est tellement facile à préparer. Je commence par faire griller 50 g d'amandes dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut les mixer dans un blender. Je rajoute une petite cuillère à soupe de sucre glace. On mélange à nouveau. Dans une casserole, il faut verser 25 cl de lait, 25 cl de crème liquide, un sachet de flan caramel. Là, j'ai pris la marque Alza. Je verse mes amandes grillées au four. Là, il faut bien mélanger pour éviter les petits grumeaux. Je mets la casserole entre feu doux et feu moyen. Je mélange sans cesse pour éviter que la crème brûle. Arrêtez la cuisson dès que le mélange est à ébullition. Surprise, mon petit s'est invité à la préparation. Donc on va verser ensemble la crème dans des petites verrines. N'oubliez pas de les filmer avant de les mettre au frigo, minimum 4 heures. N'oubliez surtout pas de lui laisser un commentaire pour ce grand travail. Pour le côté croustillant, je fais griller quelques amandes avec des noix au four à 170 degrés. Dans une poêle, je verse 80 g de sucre. Je laisse se caraméliser sur feu moyen. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps. J'incorpore 25 g de beurre. On mélange bien. Je verse les fruits secs grillés au four. Je laisse refroidir le caramel et je le casse ensuite en petits morceaux avant de décorer mes verrines. Pour le nettoyage, il suffit de mettre un petit peu de liquide vaisselle, un petit peu d'eau chaude et un coup d'éponge. Franchement, c'est tellement pratique et facile, elle ne demande pas beaucoup de temps. N'oubliez pas de me dire la recette que vous avez le plus préférée. On se rejoint sur mon compte Instagram. Et surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Hâte de vous lire.